personnage très spécial, n'est-ce pas? C'est à peu près ce qui se passe. Oh, bah, mais immédiatement, puis lui avec, tout le traîneau. Mais il avait une chaîne qui aboyait violemment, qui faisait attention. 20 mètres sur la neige, il y a un trou. Et à ça, le savait. Mais ça, faut être fine. C'était une benne de finesse, c'était une aristocrate. Et là, mais moi-même, je ne l'avais absolument pas. Et des livres très fâchés que j'ai pu écrire étaient faits justement contre la violence. Je sentais une guerre venir et je dénonçais les modes. C'était une benne de finesse, c'était une aristocrate. Et là, c'était une benne de finesse, c'était une aristocrate. Des explorateurs de la grande époque qui exploraient encore les zones polaires, et particulièrement le Groenland, avec des meutes de chiens, avec des attelages de chiens. Et ce qui compte, n'est-ce pas, dans l'attelage, c'est le guide. Le guide est généralement une chienne, qui est particulièrement fine, et qui sait à 25 ou 30 mètres dire qu'il y a une crevasse. Or, on ne le voit pas sous la neige, n'est-ce pas, la crevasse, ça ne se voit pas. Alors, nous dirons qu'elle est violente parce qu'elle avertit tout le traîneau qui va s'embarquer dans la crevasse et qui va descendre de 60-70 mètres dans un trou. Et ça va être fini à la mort, n'est-ce pas? Eh bien, ça, évidemment, j'ai peut-être la finesse d'une chienne de traîneau. Pas plus. Évidemment, j'ai peut-être la finesse d'une chienne de traîneau. Pas plus. Oh, bah, mais immédiatement, puis lui avec, tout le traîneau. Mais il avait une chienne qui aboyait violemment, qui faisait attention. 20 mètres sur la neige, il y a un trou. Et à ça, le savait. Mais ça, faut être fine. C'était une benne de finesse, c'était une aristocrate. Et là, pas plus. Puis lui avec, tout le traîneau. Mais il avait une chaîne qui aboyait violemment, qui faisait attention. 20 mètres sur la neige, il y a un trou. Et à ça, le savait. Ben, ça, faut être fine. C'était une benne de finesse, c'était une aristocrate. Et là, immédiatement, puis lui avec, tout le traîneau. Mais il avait une chaîne qui aboyait violemment, qui faisait attention. 20 mètres sur la neige, il y a un trou. Et à ça, le savait. Ben, ça, faut être fine. C'était une benne de finesse, c'était une aristocrate. Et là, la finesse, les autres n'en avaient pas. Elle était raffinée, les autres n'étaient pas. Alors, la grosse, je suis raffiné, mettons, je suis raffiné. Mais c'est tout, mais alors, on m'accable parce que je suis raffiné. Mon Dieu, qu'on me tue, les autres. Si dans un élevage, on tue des bêtes raffinées. Je suis raffiné. Mais c'est tout, mais alors, on m'accable parce que je suis raffiné. Une aristocrate. Alors, on m'accable parce que je suis raffiné. Mon Dieu, qu'on me tue, mes autres. Si dans un élevage on tue des bêtes raffinées, évidemment, c'est un élevage très spécial. C'est à peu près ce qui se passe. Évidemment, c'est un élevage très spécial. C'est à peu près ce qui se passe. Si dans un élevage on tue des bêtes raffinées, évidemment, c'est un élevage très spécial. C'est peut-être ce qui se passe. Évidemment, c'est
C'est un élevage très spécial. C'est à peu près ce qui se passe. Très souvent dans votre livre, vous rappelez au lecteur que... Il faut avouer que ça vous marque aussi, pas tant que la prison, mais ça vous marque. En sens que vous n'avez, je n'avais aucun endroit où aller jouer, où vont les gosses. Et nous avions dans le passage Choiseul 360 becs de vase qui marchaient jour et nuit, vous le savez. Et nous avions les petits chiens qui venaient faire leurs besoins. Et puis nous avions des chansons, c'est assez curieuse. Je peux dire que j'ai assisté à la fin des chansons. Au début, avant la guerre, 14, chaque fois qu'il entrait un arpète ou une midinette, comme elle s'appelait, au début du passage, elle commençait à chanter. Elle chantait pendant tout le passage, toute sa durée de traversée du passage. Et puis après 14, on n'a plus chanté dans le passage. C'est un signe des temps. C'est tout ce qu'on avait comme distraction. C'est la chanson des petits apprentis. Et puis des midinettes. C'est à peu près tout. J'ai été, depuis ce temps-là, j'étais voir le passage. J'y suis retourné souvent. Et les gens ne les connaissent plus. Ils n'existent plus, ils sont venus d'autres. Mais le passage Choiseul, pour l'instant, enfin, paraît être pour vous un souvenir plutôt, comment dirais-je, attendrissant que provoquant. Ou que, oh, il est attendrissant, en ce sens que j'ai connu là bien des gens qui ont disparu, d'une espèce qui a disparu, puisqu'on ne demeure plus au passage Choiseul. L'hygiène s'y refuse. Et puis d'abord, c'est éclairé à l'électricité, c'est fini le gaz. Mais enfin, on peut dire que j'ai été élevé dans une cloche à gaz. Ben, c'est une façon commune, ça marque tout de même d'être élevé dans une cloche à gaz.